Placé sous la gestion du Foner il y a peu, le poste péage situé à l'entrée est de la ville de Mbujimayi devrait être délocalisé. Pas de précisions jusqu'ici sur son nouvel emplacement. Une partie de la population soupçonne son retour à l'ancien poste de Tshilenge où les occupants actuels sont sommés de quitter les lieux. Ne sachant où aller, ils s'opposent à cette démarche. Suivez ces réactions de quelques-uns dans ces propos recueillis par Franck Mbambi. Ils sont venus placer les bornes pour nous exproprier de nos terres. Ils disent que c'est pour installer le poste de péage et céder nos parcelles aux plus offrants. On nous demande d'aller nous installer dans l'ancien cimetière de Tshitenge. Ils ne s'intéressent même pas aux documents parcellaires à notre possession. Que le gouverneur regarde ce problème. On dit que le péage, c'est sur la route, mais nous ne comprenons pas comment un poste de péage peut prendre toute cette étendue. L'État a les moyens, il peut construire partout, mais pas nous. Je ne peux pas vendre cette parcelle, c'est tout ce que nous avons, ma famille et moi. Nous allons garder cette parcelle jusqu'à la mort. Pour justifier leur forfaiture, ces gens-là citent même le nom du chef de l'État. C'est avec le 50 et 100 francs de la cordonnerie que j'ai acheté ce lopin de terre pour moi et pour ma progéniture, il y a plus de 30 ans de cela.